Succès déverrouillé. Amitié forestière. Toi et chasseuse. Arrivé à la maison isolée sur la plage. Ton cœur tambourine dans ta poitrine. Inutile de vérifier. L'expression est valide. Oui, mais est-ce que j'aurai assez de citron pour faire de la limonade? Sonce, des nerfs d'excitation ou de terreur. N'est-ce pas marrant de mélanger le sexy et l'effrayant? J'ai obligé de répondre à cette question, ça leur a compliqué hier. Chasseuse est discrète, comme une souris, tandis qu'elle te guide à travers la forêt insulaire. Tu luttes pour rester à sa hauteur. Elle se meut, comme un chat de jungle. C'est un chat ou une souris, faut savoir, ou un lapin, ou quoi? Tout en muscles, et en bond silencieux à travers des buissons épineux. Elle fait soudain halte, et tu la percutes, ayant désespérément tenté de tenir le rythme. Tu suis son regard, et tu réalises ce qui vous est arrivé. Une cabane dans les bois, obligatoire dans la quasi-totalité des films et de l'histoire d'horreur. Et te voilà ici de ton plein gré avec une redoutable tueuse. Beau travail! La cabane est confortable, mais il y a quelque chose qui cloche. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Alors, je ne mets mon doigt sur la cabane de personne. Enfin, pas sans consentement. Chasseuse te fixe à travers son masque de lapin, inclinant la tête sur le côté. Mais c'est un zoo à elle tout seule, en fait. Comme si elle tentait d'évaluer ta réaction devant sa tanière. Ah non, je dis pas ça. Veux-tu m'inviter à rentrer? Pourquoi te faut-il une invitation? Es-tu un vampire? Ah, un peu trop traîné avec le forceur. Ah non. Oh. C'est moins bien, ça se semble être un peu déçu. Je l'imaginais pas cro-cro. Mais bon, je juge pas. Entre. Explorons. Elle a du setup et du Schweppes. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a les... Elle a aussi les trois coquillages là de Stallone. Elle a une soleil de Wesker. Elle a une cheminée sans cheminée. Et on entend... On entend le bois crépiter. D'une air cheminée. Elle a un peu renversé devant par terre, c'est vrai. Tu la suis à l'intérieur, c'est effrayant, branlant et pas du tout aux normes, mais ça a un certain charme accueillant. Tu es une sacrée décoratrice! Elle rougit. En effet, un chandelier constitué d'os pend délicatement au plafond du hall et une collection de babioles orne le manteau de la cheminée. Quelque chose me dit que les gens qui ont jadis possédé ces choses ne sont plus de ce monde. La pensée te donne un frisson dément et elle te regarde à nouveau. Que penses-tu de ma collection? Si. Érotique. Tu es du genre à accumuler les choses? Pourquoi il te faut tant de montres et de parapluies? Ce sont les lunettes de lecture de quelqu'un. Il doit en avoir besoin et les clés, miséricorde, les clés. C'est un peu beaucoup, non? Chasseuse rayonne. Elle est ravie que tu saches le nom de tous ces objets hétéroclites. Je souhaite tellement savoir pourquoi les gens transportent autant d'accessoires singuliers. C'est un peu beaucoup, ce qui veut dire que j'ai beaucoup à partager. Tiens, prends ceci. Elle te donne un de ces précieux objets brillants. Personne ne va évoquer le fait que chasseuse ignore le terme clé, mais connaît bien celui d'accessoires. Ok, alors on poursuit. J'ai hâte de me lancer dans la chasse au trésor avec toi. Nous pourrions trouver tant d'autres bonnes choses sur l'île. Mais d'abord, que penses-tu des autres tueurs sur l'île? Je veux dire, farceur est excentrique, à souhait, mais tous les autres semblent avoir des passés intéressants. Et autres. On veut commémorer, hein? Commérer? Hein? À quoi joues-tu, Maya? Chasseuse considère ceci un instant. Elle semble avoir deux modes, pensive et explosive. Tu espères ne jamais être à portée quand la partie
explosif émerge. Pourquoi ? Tu as un côté jaloux ? Avant que tu puisses répondre, la maison commence à trembler. Chasseuse perd l'équilibre sur le plancher infesté de termites et tombe dans tes bras. Ça ne te fâche pas. Mais avant que tu puisses profiter de ce moment... Alors... Je veux plus jamais qu'on critique quoi que ce soit sur, sur la cohérence de mes tokens. Ok ? Tu arrives dans le skatepark... Et tout à coup, des crabes tueurs. Est-ce que tu as assez de citrons ? Oh non, c'est une attaque. Une horde de crabes tueurs se glisse dans les interstices de la cabane mal construite. Ils foncent sur toi et chasseuses par centaines, faisant claquer leurs pinces aiguisées comme des rasoirs. Tu dois agir vite. Que vas-tu faire ? Ah, si je protège la chasseuse avec mon corps, je sens qu'un crabe va me blesser la peau. Et elle va vouloir utiliser sa salive pour cicatriser. Je pense que je vais plutôt prendre un sabre pour essayer de faire les choses dignement. Tu t'empares promptement d'un shashka au mur. Étant quelqu'un de très cultivé, tu sais que le shashka est une épée rude. Bah bien sûr. Mais évidemment. Et qui ne le savait pas ? Ce n'est pas lyonnais. Pas un parapluie, ni une canette de soda ou autre chose similaire. Dos à dos avec la chasseuse, vous déchiquetez les crustacés assaillants. Les fameux crustacés assaillants. Vous tuez le gros des crabes tueurs, ceux que vous ratez des campes se cacher dans leurs trous. Chasseuse se tourne vers toi avec un regard plein de passion et de curiosité. Toutefois, avant de s'exprimer de ton regard, réprimant ce sentiment, est-elle nerveuse ? Chasseuse s'assoit sur le canapé en osier et commence à nettoyer les entrailles de sa hachette. C'est une scène obligatoire pour chaque tueur et tu savoures le fait de ne pas être ce qu'elle nettoie. Plein d'idées de noms de perk. On dirait que nous aurons du crabe au menu. Ta blague ne la fait pas sourire. Elle a retrouvé cette expression rébarbative. Tu la rejoins sur le canapé. Eh bien... Des fois, ces expériences où je frôle la mort me font vraiment réfléchir à ce que je veux dans la vie. Je crois que j'aimerais beaucoup fonder une famille un jour, et toi ? Tu préfères pas un thé d'abord ? Non mais ça va, on a juste affronté des milliers de crabes tueurs. Un jour peut-être, avec la bonne personne. Je veux dire, c'est une décision qui bouleverse la vie. Il faut s'assurer que c'est la bonne. Chasseuse sourit timidement. Bonne réponse. On ne sait jamais sur quel genre de dingue on peut tomber. Comment étais-tu étant enfant ? Tu essaies d'imaginer cette géante sous les traits d'un petit enfant, dans un manteau dufteux. Vagabonde dans la forêt. Chasseuse glousse. Son rire est adorable et doux. J'étais si innocente. Nous chassions pour survivre, puis nous rentrions à la chaumière et mère me racontait des histoires et nous prenions le thé et imaginions une vie loin des bois, quelque part comme ici. J'imagine que j'ai enfin réalisé ce qu'elle avait toujours voulu pour moi. Mais depuis mon arrivée ici, quelque chose semble ne pas aller. C'est beau et chaud quand tout le monde est si sexy. Genre une farandole de tissu. J'ai pas assez de citron ! J'ai pas assez de citron ! Donnez-moi le citron ! J'ai pas assez de citron. Mais tu n'as jamais le sentiment que quelque chose arrive pour nous ? Oh non, elle t'a à l'œil. Mais à quel sujet ? Un tourbillon de souvenirs fuse dans ta tête. Des cauchemars, des visions d'un nuage sombre, les regards vides de Claudette Dwight trahissant une sorte d'hypnose. Vite, valide cette théorie ou tente de l'écarter. De l'écarter ! De l'écarter ! Ah ouais. Ah ouais, grave. Ah
Je crois que tu tiens quelque chose. Que sais-tu? Depuis combien de temps êtes-vous tous ici? Te rappelles-tu de quoi que ce soit sur la raison pour laquelle nous serions ici? Je fais ces rêves, je vois des choses, je pense que nous jouons tous un rôle dans quelque chose de plus vaste. Chasseuse révèle un étrange objet qu'elle a volé près de la scène où Forceur se produit. Il comporte un étrange symbole. En vérité, il ne te semble pas si étrange, c'est juste une boule. Elle te tend un indice. Non, c'est un truc con. Ah. Elle te l'attend, mais avant qu'elle puisse expliquer sa théorie, Claudette et Dwight déboulent et vous interrompent. Nous avons une annonce spectaculaire à faire. Et elle doit être faite à la plage. Tu arrives à la plage et réalises qu'on t'a joué un tour. Il n'y a absolument aucune grande annonce. Ce que nous avons là, c'est une bonne vieille rivalité. C'est exact. Tout à fait ce que dit cette voix. Et que nous ne pouvons entendre, à laquelle nous ne sommes certainement pas en train de faire allusion. Nous avons été obligés d'interrompre votre adorable rendez-vous amoureux par un autre tueur. Qui se trouve ici pour te faire une offre d'amour que tu ne pourras pas refuser. Ouh. Piégeur émerge de l'onde. Se meut-il au ralenti? Il est la tentation à l'état pur. Paul Newman à cheval, Denzel sur la couverture de GQ. La virilité virile incarnée. Donnez-moi des citrons, s'il vous plaît. Et puis, trois petits points. Retenait-il son souffle depuis tout ce temps en attendant le bon moment? Ça, c'est de l'engagement où je ne m'y connais pas. J'ai appris que tu passais ta journée dans une chaumière pittoresque. Et que dirais-tu d'un manoir pittoresque ou mieux encore, un sur chaque continent? Ouais, j'inclus l'Antarctique. Je suis vraiment, vraiment riche. Imagine combien nous serions à notre aise dans un château enneigé de 10 chambres. Une de ces piscines qui se trouve à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, mais belle et chaude sur toute sa longueur. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Je vais craquer. Non, c'est génial. Je me noie dans mon... dans mon OMG, tu vois. Comme ça, tu peux tuer une mère ours polaire depuis l'extérieur. Regardez son souple. Autour de son cadavre de... En vrai, elle déboîte, ça propale. En vrai, elle est bien, ça propale. Faut reconnaître que... Waouh, piégeur est vraiment sérieux, et j'insiste sur le « vraiment » et par « sérieux », j'entends démoniaque. En plus, tu veux vraiment chasser pour te nourrir pour le restant de ta vie? Avec moi, tu peux profiter de tout. La sauvagerie et quelqu'un qui nettoie derrière toi. Ça a l'air sympa, pas vrai? Bah, vu tes mains, à mon avis, ça nettoie pas des masses. Laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est un niveau de cruauté assez sexy. Burke, mais bien sûr. Cette vie n'est pas pour moi, mec. Je suis vraiment impressionné que tu puisses parler avec des guillemets sous-entendus très cool. Ce type est un connard de première. C'est la version nord-ouest pacifique du siècle dernier d'un mec de Wall Street. Waouh, ça tire à balles réelles, apparemment. Patrick Batman, super agressif. Pour ceux qui ont la ref, American Psycho. Tu ne sortiras pas avec lui s'il brandissait un fendoir dans ta direction. Oh merde, c'est le cas. Je vais céder à la colère, histoire de voir ce que ça fait. Comment tu crois que tu peux te pointer et gâcher mon rendez-vous avec la chasseuse? On va combattre? Peut-être pas. Dehors! Comment oses-tu? Tu crois que tu peux te pointer? Pour être sûr qu'il est... Je vais t'envoyer faire tes mal, l'ami! Tu te redresses de ta taille qui est beaucoup plus petite que celle de chasseuse ou de piégeur.
Fille et vent de la maison Macmillan, je te bannis de cette plage, péris ou prospère, peu me chaud. Mais c'est moi qui m'exprime. Mais c'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Piégeur et chasseuse te regardent dans tous les deux. Je veux dire, je suis perplexe moi aussi. Quand est-ce que Shakespeare a déboulé sur l'île? Piégeur recule. Ouh. Je viens de te faire un méga ennemi aujourd'hui. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières et ton portefeuille d'action. Parce qu'être doué en affaires est une partie importante de mon caractère. Je sais que ça n'intervient que sporadiquement, mais c'est important. Fin de communication. Tu te retournes vers chasseuse. Allons-nous poursuivre notre rendez-vous? Je sais pas... Oh. J'ai l'impression qu'il y a Antonio Banderas. Chasseuse te ramène dans sa cabane. Tu pensais te rappeler le chemin, mais c'est comme si la forêt avait complètement changé. Rien n'est familier. Mieux vaut ne pas se perdre ici. Non mais tu le crois? Du piégeur tout craché, faire un coup pareil. Je suis si heureuse que tu m'aies choisi. Par contre, je doute que nous ayons exploré tout ce qui est entre nous. Elle fait un clin d'œil de sous son masque de lapin et te charge sur son dos. Je voyais notre relation un peu plus, tu vois. Je sais pas, le meilleur sac à dos au monde, tu vois. Chasseuse court à travers les bois, tandis que tu t'accroches à son dos. Le vent file dans tes cheveux, les animaux dégagent de la trajectoire de la femme des bois, tandis qu'elle file comme le personnage principal de ce célèbre film de vampires, mais sans t'appeler Spider Monkey. Ouais! Oh! Elle finit par te poser doucement sur le sol et tu examines ton environnement, une clairière boisée dans la forêt. Chasseuse se pavane comme une biche dans une prairie. Biche, souris, chat, lapin. C'est un zoo. J'aime venir ici parfois pour me vider la tête et hacher quelques adorables créatures sylvestres. Et renards sont mes proies préférées. Ils se croient si mignons et rusés, mais je vois clair en eux. Ce sont juste des connards! Savoureux! Avec une sauce piquante! Chasseuse entend un froissement et détale pour en trouver la provenance, se tapissant comme un animal. Maintenant, tu es en pleine forêt sans personne. Ah! Allô? Ton sens de l'orientation est complètement en vrac. Je suis né comme ça. Une voix mélodieuse flotte dans l'air, caressant les oreilles, comme un miel sirop. Au secours. Viens me trouver. Ah! Pas mal. Pas mal. Pas mal. Nul. J'ai tout raté. Pas mal. Ouf. C'est pas le premier truc que je me serais dit. Tu donnes un petit coup à la chasseuse quand tu la trouves. Vous en tapez 5. Essaies-tu de draguer cette jeune dame ou de te la jouer comme des mecs toute la journée? Tu es si doué pour te cacher. Je m'amuse énormément.
Merci, on dirait qu'il faut 10 000 heures d'entraînement pour devenir bon. Ça suffira pas pour atteindre le prestige 100 pour tous les persos 10 000 heures, tu sais. Et on le dit bel et bien. C'était marrant, hein. J'essaie constamment de me détendre et de prendre du bon temps, mais c'était si dur pour moi. Chaque fois que je baisse ma garde, quelque chose de terrible se produit. Comme dans la vraie 100% la vraie. Allez, je vais faire plaisir au chat. Évidemment, comme dans la vraie vie, après avoir pressé des citrons dans la forêt toute la journée, hein, et si on baissait nos pantalons? Mais moi aussi, j'étais très... Non, je... Ah, c'est mauvais. Ouh. Oh, regarde. Claudette et Dwight sont de retour. Ok, nous jurons que nous sommes là pour une bonne raison cette fois. Ouais, personne n'a pu nous manipuler cette fois. C'est l'heure du dîner. Venez, Boostify. Trop romantique, bah, bien sûr. Quelle journée divertissante tu as passée. Je peux le voir sur ton visage, tu rayonnes. Et ce n'est pas juste des traces de sueur d'anxiété pour avoir passé une après-midi à courtiser un tueur psychopathe. Ben non. Non, non, tu ressens vraiment toute cette expérience romantique. Rassure-toi, je conserverai tous tes petits vilains secrets. Bon, assez de taquinerie. Il est temps de reprendre. Tous les célibataires appétissants sont arrivés. Pour le... y compris le forceur. Très bien. Tous les célibataires sont appétissants sont arrivés. Parfait. Spectre est là aussi. N'allons pas faire le gag où nous les serrons tous ensemble à l'écran en même temps. Alors contente-toi de me croire. Ils sont tous là, aussi sexy et cinglés que dans tes souvenirs. Avec ton amour en jeu, chacun fait très attention à ne pas te froisser à cause d'un commentaire déplacé. Alors que moi, pas du tout. Hein. Pff, rien à voir. Hein. Franchement, plus rien n'affiche. Hein. Félicitations, passage, pour avoir fait tout ce chemin. Je suis autant surpris que toi que ces quatre-là en pince pour toi. Non. Pas à cause de ta personnalité. Bah déjà j'en ai pas donc. Mais parce que tu les as rencontrés seulement hier. Toutefois, puisque Spectre semble être celui qui a peu de chances de finir par conquérir ton cœur, il met la prudence en veilleuse et prend la parole. C'est un très petit prix de consolation que d'être le tueur le moins aimé de l'île du meurtrier, mais lui savourer cet instant sous le feu des projecteurs est le moins que nous puissions faire. Et nous savons bien que ça ne s'améliorera pas. J'en ai marre de voir tout le monde se régaler pendant que je me préoccupe de... Vous savez, tenter de trouver l'explication de ce cauchemar sans fin. Alors ce soir, rien de tout ça. Je n'ai pas vraiment faim de toute manière. Donc je me dis... Qu'on se fait juste une salade toute simple. Ou autre. Le genre vert. Pas le genre mayonnaise. La mayonnaise, c'est dégueu. Hein? La laitue me suffit, pas besoin de faire dans le compliqué. Pas de salade iceberg, par contre. Ça n'a aucune valeur nutritionnelle. Bah, c'est super bon, la salade iceberg. Je te raconte. Bah, les petites tomates cerises. Laisser Spectre choisir était une erreur. C'est notre faute à tous. Le dîner sera bientôt servi, mais certaines personnes d'influence aimeraient savoir comment est ta journée. Aimerais-tu partager ta journée avec le reste du groupe? Tu as une journée intéressante, c'est évident, mais comment la décrirais-tu aux autres? Si tu en dis trop ou trop peu, ça pourrait affecter tes relations avec le groupe. Oh. Mais ok. Ne reste pas non plus sur ton siège sans rien dire. Rien n'est pas une option. Comment j'ai frôlé la mort, bien sûr. Plaisanter sur... Ah. On a discuté à savoir comment faire des enfants avec la chasseuse juste après avoir combattu des crabes meurtriers. Et j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui, c'était dingue. Nous avons visité la cabane secrète de chasseuses et des crabes tueurs nous ont sauté dessus. C'est vrai.
Je m'endormirai cette nuit au bruit délicieux de l'écrasement des crustacés. Les fameux crustacés assaillants. Ça ne serait jamais produit sur mon yacht. Je les broie, c'est une manière bien plus satisfaisante de tuer les crabes. Voyons, Pipoudou. Enfin, cette variété, j'utilise mon fendoir devant le... un panier de crabes. Dwight et Claudette apportent le dîner. Chacun mange en silence. Personne ne fait confiance à personne maintenant. Et tout le monde est fatigué. Aux minutes. Non, c'était une effroyable histoire à suspense se déroulant en Antarctique par un charmant jeu de drague situé dans une île paradisiaque au nom inconnu. Bon appétit. Tu ne veux pas dire bon? Non, presque. Tout ce que nous servons contient plein d'os. Même les légumes. Les fameux légumes, les fameux os de haricots verts. Bien sûr. Très difficile. Très difficile à... Non, je pense qu'il nous faut une Roland Emmerich, tu vois. Tu sais, il y a des passages où genre, tout le monde s'en fout. Impossible d'éviter ça sur cette île. Tout le monde mange sans parler. Les tensions montent, des variétés sexuelles et mortelles. Moi, j'en ai mis un S. Parce que c'est des variétés, quoi. Quand tout le monde a terminé, Dwight et Claudette reviennent débarrasser la table. Ils s'attardent autour de toi pendant qu'ils ramassent son assiette, enlèvent la serviette et nettoient les miettes de la table. Qu'aimerais-tu dire au domestique? Merci. Votre service de premier ordre est très apprécié. En fait, tenez. Pour nous, juste pour avoir fait notre travail. Merci beaucoup. Votre attention, si vous voulez bien nous suivre jusqu'au feu de camp. Nous vous en serions très reconnaissants. Vous pouvez venir volontairement contre votre volonté. Vous n'avez pas le choix du recueillir. Oh, avais-tu le choix sur la manière de le dire, blaireau? Oh, oui, je regrette déjà de l'avoir dit ainsi. Bien, quelque chose doit changer par ici. Le feu, c'est la renaissance. Le feu illumine l'âme. J'espère que le feu ne produit pas trop de fumée. La fumée me blesse les yeux, j'ai des yeux très sensibles. J'en ai très peur. Du feu, je veux dire, pas mes yeux. À cause d'un traumatisme de l'enfance impliquant le feu. Enfin, tout le monde commence à se rendre au feu de camp, ne serait-ce que pour échapper aux plaintes du spectre. Il manque le forceur. Tu prends place sur une bûche confortable, sentant la chaleur du feu sur ta peau. Et tu attends que les autres tueurs prennent leur place, te demandant qui voudra raconter une histoire cette fois. Le narrateur racontera-t-il une histoire? Je parie qu'il a un esprit incroyablement créatif. Hé hey, te dis-tu, ont-ils le droit de placer ainsi des pensées dans mon esprit? Ça ne me paraît pas juste, mais... Chacun arrive, mais quelque chose d'inattendu survient. Rien. J'avais pas prévu qu'il se passe rien. Oh. Quelque chose semble presque toujours se produire ici, alors rien n'est probablement pas un super signe. Ok. Oh, génial! Et maintenant, tout le monde te regarde! Donc, tu vois, fais quelque chose! Faut-il que je choisisse quelqu'un pour raconter une histoire où nous pourrions jouer aux charades? Au Boggle? Bon, en fait, nous nous disions, et si tu nous racontais une histoire? Spectre pointe son machin de crâne et de colonne vertébrale dans ta direction. Tu te mets hors de sa trajectoire. Qui sait ce que ce truc est capable de faire? Ça tire probablement des lasers. Alors? Essaie de ne pas nous raser. C'est aussi le premier truc que je me dis. Le fameux rasage au laser. Tu nous intéresses juste beaucoup. Ne parle pas pour moi, chasseuse. À présent, tu ne peux pas déterminer si tu as chaud à cause du feu. Ou si ça... Ou si tes nerfs sont en train de chauffer. C'est pas le verbe du premier groupe. C'est pas le premier verbe du premier groupe qui me vient à l'esprit. Je sais que le feu est juste là, mais peut-être que si on arrête d'en parler tout le temps, on peut commencer à faire comme s'il n'était pas là, et vous savez, ne menacez pas de nous brûler tout vif. Hein. Il n'est pas censé m'entendre. Dégage-le là, Spectre. Maillard était sur le point de prendre une décision importante. Racontez ou non une histoire. Très bien, je vais vous raconter une histoire. Dak, je suis volontaire pour vous raconter une histoire. Ah, mais quel blaireau.
J'espère que c'est un mystère. Ok, mais quel genre d'histoire veux-tu raconter? Vous voulez quoi? Est-ce qu'on peut faire un strapol? Romance. Ok. Alors. Bon. Je vais vous raconter une histoire de romance. N'hésitez pas à être bouleversé dans le chat, bien sûr. Et à être sensible. Plein d'émotions. N'oubliez pas les citrons. Je vais raconter une histoire romantique. À propos de deux amoureux qui s'empoisonnent ensemble et meurent dans la lèvre. Ou à propos de deux chasseurs vigoureux qui se rencontrent quand ils tentent tous deux de matraquer le même glouton malin. Pas tout à fait. À propos de mes parents. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à la fac. C'était lui qui recevait. Et elle avait été entraînée par des amis. Ils n'auraient pas pu être plus différents. Et pourtant, au fil de la nuit, ils ont été attirés l'un vers l'autre. Elle s'est moquée de ses goûts musicaux et il s'est intéressé à sa matière principale, les études des femmes. What? C'est une matière. Dans les deux mois, ils étaient mariés. C'est un peu tôt pour savoir si tu peux te fier à quelqu'un, tu crois pas? Pipoudou? C'était tellement mignon. Exactement. J'ai beaucoup appris de l'amour grâce à eux. Quand on sait, certaines personnes qui n'ont pas besoin de plusieurs années pour découvrir leur partenaire. L'amour peut naître d'un simple regard par-dessus un feu de camp. Maintenant, tu as leur attention. Chaque tueur tente furieusement de capter ton regard par-dessus le feu. Sauf farceur qui allait faire un tour au bar et joue sa propre musique très fort. Allumez le feu! Allumez! Au fond de la plage. Tu sais, avec Ace comme ça. Ok, c'était pas une bonne histoire, je ne peux pas t'insulter, mais c'était vraiment très mauvais. Désolé, mais ce narrateur est franc. On ne peut pas s'en tenir à ça. Alors, de qui d'autre aimerais-tu raconter une histoire ce soir? Écoutez, une histoire? Tu passes les tueurs en revue, essayant de décider qui pourrait être le plus divertissant? Non. Ah! Lui, il a l'air d'être complètement barré. Je vous laisse voter. Chasseuse, tu sembles avoir hâte de le faire. On t'écoute. Bien sûr, ma vie dans les bois me manque pas de mythes effroyables. Mère me raconta un jour l'histoire d'un jeune homme qui rentrait chez lui après la guerre. Quelle guerre? Peu importe! Je voulais juste quelques détails de la toile de fond pour en avoir une vue d'ensemble. Je te peindrai une vue si tu veux, Biboudou. L'homme était perdu et ses provisions de nourriture commençaient à s'épuiser. Il s'arrêta pour se reposer pour la nuit sous un majestueux bouleau. C'est alors qu'il vit les femmes nues, la peau luisante sous les lueurs crépusculaires. C'est chaud! Je suis attentif! Elle chantait une mélodie troublante. En descendant les collines en direction du lac attirant. Enchanté par la musique, le jeune homme suivit la parade des belles femmes jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent dans une clairière près de l'eau. Elles se tournèrent vers lui et sourirent. Une femme aux longs cheveux roux s'avança et le prit par la main. Les autres commencèrent à jouer de la musique. Des flûtes, des luttes, des tambourins. La mélodie était enivrante. Les pieds de l'homme se mirent à se mouvoir sous lui. Il dansait, animé par la musique magique de ces mystérieuses femmes. La crépuscule s'obscurcit en nuit noire et l'homme commença à se méfier. Et lorsqu'il tenta d'arrêter ses pieds animés, il réalisa qu'il ne le pouvait pas. « À l'aide! Je ne peux pas m'arrêter de danser !» Il appela la femme le plus proche, une femme élancée aux cheveux verts. Elle se rapprocha et il vit ses traits se déformer en quelque chose d'horrifiant. Elle était bouffie, un œil pendant d'une orbite, la peau de la couleur des algues, une rusalka. Sa véritable identité. « Tu ne t'arrêteras jamais de danser » hurla-t-elle. « Mes sœurs et moi avons été noyés dans ce lac par des hommes de ton régiment. Considère ceci comme ton... » Ça me rappelle un scénar que j'ai écrit sur Pendragon. « Mais ce n'était pas moi !» cria l'homme. « Quelqu'un doit payer
dit la Rusalka, la voix débordant de malfaisants saumâtres. Et ainsi l'homme dansa et dansa jusqu'à ce que ses os se rompent et que son cœur lâche la danse de la mort. Un moment de silence, tandis que chacun encaisse cette fin macabre. Mais ce n'était pas si mal. Les Rusalka sont des déesses de la fertilité. Si une dame les avait croisées, elle aurait reçu pour don d'être fertile et sûrement aussi des bonbons pour la route. Bon sang, est-ce qu'elle s'imagine que c'est une fin heureuse? Je veux la même chose pour la chasseuse. Que chasseuse s'est envoyée. Quoi? Je veux la même chose que chasseuse s'est envoyée. Tu me veux moi? J'ai pas compris. Alors comment c'était? L'heure des comptes? Beaucoup des gens aiment s'en prendre suite, mais je pense que toute bonne histoire mérite une suite. Quand on pense que c'est fini, la suite n'est jamais aussi satisfaisante que l'original. C'est pour ça que je préfère de loin l'histoire racontée en plusieurs épisodes. Savoir que c'est une série ôte beaucoup de pression de toute production individuelle et construit une plus grande appartenance communautaire entre le public et le créateur. Dis-moi Maya, si tu pouvais supprimer n'importe quelle suite de la réalité, laquelle serait-elle? Ne réponds pas. En fait, on s'en bat les steaks. Nous sommes juste ici pour veiller sur la transition vers le prochain segment de la soirée se fait sans accroc. Dieu nous garde que mon blabla ne gêne un moment romantique au crépuscule. Dwight, je vais te demander de la boucler. Tu sais que nous devons retourner faire ce que nous sommes. Ah ah ah. Ok. Ok, amuse-toi ce soir et essaie de ne pas... Ah. Trépassé. Pourquoi as-tu prononcé les mots clin d'œil tout haut et que sous-entendais-tu en parlant par trépassé? Dwight est physiquement incapable de faire un clin d'œil. Mais comment tu peux être... Plus depuis l'accident. Et tu sais bien que tous ces gens sont d'ignobles criminels avec des tableaux de chasse qui se chiffrent en dizaines. Bon, enfin, sauf esprit. Elle n'a pas vraiment sa place ici, c'est strictement une victime. Pas une agresseuse, pas étonnant qu'elle soit folle de rage. J'ai entendu quelqu'un dire du mal d'esprit. J'arrive, Pipodou. Et si on poursuivait cette conversation dans le sable pour que je m'infuse? Au secours! Il recommence! Au secours! Il veut s'infuser devant moi en maillot de bain! Il veut s'infuser en incendiant ce fantôme avec quelqu'un et... Oh. Pitié, assez parlé d'incendier, d'embraser ou de mettre le feu, c'est déjà suffisamment pénible de voir cette soirée à côté d'un véritable feu. Faut-il vraiment que je sois entouré de flammes métaphoriques aussi? Et si on retournait et qu'on filait le plus loin possible de ce lieu, toi et moi? Sur ses jambes filiformes, tu te fatiguerais sûrement avant d'être loin. Si Maillard souhaite se rendre en courant dans un lieu retiré, autant me rejoindre. Tu as vu ses jambes? De la puissance à l'état pur. Non pas que ma vitesse de marche reflète réellement ma stature de géante, mais c'est parce que je choisis de me mouvoir lentement pour des raisons de furtivité. C'est mon propre choix et c'est complètement logique. Pourquoi les gens s'obstinent autant à se comparer aux autres et à en faire tout un plat? Je n'ai tellement fini avec ça. Vous ne pichez pas? La société veut vous faire croire. En fait, c'est une hippie, quoi. Du Japon. La société veut nous faire croire que vous devez vous battre entre vous pour que les entreprises puissent se précipiter et que vous vendez des solutions bidons à tous vos problèmes que vous vous inventez. Je serai assise à Londres, dégustant une boisson de provenance locale tout en feuilletant un court roman tombé dans le domaine public et imprimé sur du papier recyclé parce que je refuse de jouer à leur jeu plus longtemps. C'est comme si elle tentait activement de se montrer aussi détestable que possible. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça excite ou c'est juste moi, Pipedou? Malgré l'appétit insatiable du piégeur, il semble que son attention et celle de tout un chacun se porte toujours sur toi pour l'instant. Si tu pouvais, je sais pas, choisir un de nous, nous pourrions peut-être poursuivre nos vies et, ou je sais pas, c'est un projet spécial que nous aurions en cours. Tu l'as entendu? Qui ce sera? Avec qui fileras-tu pour une activité ce soir? Je dis juste,
Enfin, peut-être pas une tonne d'occasions pour des rancards comme ça avant son séjour de... sur l'île meurtrière ne touche à sa fin. Non, ça ne me plaît pas non plus. Mais avec toutes ces émissions télé-réalité en streaming en plein essor, c'est pratique tout ce qui restait. Quel tueur choisiras-tu? Et oui, nous excluons à nouveau Farceur, parce que... au moins, ils sont objectifs, tu vois. Je sais pas, la chasseuse, j'ai quand même combattu des crabes tueurs, quoi. Ça compte dans une vie pour un rapprochement. Chasseuse? Tu sais, j'avais le sentiment que tu me choisirais. Tu as bon goût. Et je ne dis pas juste parce que ça... Je peux refaire un vote? Chasseuse se lèche les babines, tout en te regardant de haut en bas. Tu n'as jamais autant l'impression d'être un morceau de viande qu'en ce moment. Dans quoi as-tu mis les pieds? Mais c'est souvent dans la gueule. Allons au bar. Je vais te préparer quelque chose de spécial. Je préfère un whisky d'abord. Toi et chasseuse, vous filez en direction du bar. Mais elle vient de me dire qu'elle va me bouffer. Moi, première réponse, c'est... Mais en étant... Une fois là-bas, tu découvres un assortiment de matériel d'art plastique. Et sont des outils de taxidermie. Allons au bar. Allez. Tu paniques? Tu paniques pas. Cool, cool, cool. Tu te demandes ce qui se passe dans la tête de chasseuse. Malgré son côté plein d'entrain, débordant d'enthousiasme, tu as toujours peur qu'elle puisse craquer. Tu as quelque chose en tête avec ces éléments de taxidermie et le fait de m'avoir dû que tu aimes manger. Elle sourit. Bois ça! Un élément subtil s'est glissé sur cette photo. Il y a quand même des fruits de la passion, j'ai l'impression. Chasseuse te tend un cocktail tropical en apparence normale. Si on voulait te droguer pour te placer dans un état très réceptif aux ordres, ces saveurs camoufleraient le poison. Aïe, c'est... ouais. Non, c'est hyper subtil, regardez. Est-ce que vous saurez trouver l'élément subtil sur cette image? Tu jettes un œil alentour et tu considères les autres options hormis devenir le petit jouet de chasseuse. Et la conclusion est donc... En avant! Est-ce que ça... Est-ce que... Mourir? Allez, Q-sec. Tu descends la boisson et c'est vraiment délicieux. J'ai réfléchi à un cadeau à te faire, un masque, ça te plairait? Ah oui, bien sûr, j'ai toujours admiré le tien. Qu'aimerais-tu? Oh, j'y peux plus. Ah, je... Ah, j'ai... Je j'arrive au bout. J'arrive au bout. Le masque de chat blanc le plus dufteux, comme du dufteux niveau guimauve, au point qu'on ne distingue aucun trait. C'est ça qu'il a demandé, tu assumes maintenant. Le chat qui est à côté qui fait... Ben, je sais pas sur quoi je vais travailler ce soir, toute seule, dans mon pyjama décolleté. Bah écoute, tu peux travailler sur des mathématiques. Chasseuse te fait un clin d'œil. Qu'est-ce qu'elle peut bien entendre par là? Il faut fêter ça! Tu frappes du poing sur la table, comme si tu étais dans une espèce de vieux film avec des vikings chauds. Je sais. Je connais les vikings chauds comme la braise. Ou des fermiers de glace russe faussa. Les fameux fermiers de glace russe Mossad. Encore à boire! À boire pour tous mes amis! Waouh, ok, du calme. Même moi, je n'ai pas ce genre d'énergie après aujourd'hui. Allons faire quelque chose de plus relaxant. Chasseuse, tu as plein d'occupations.
Et si tu nous parlais de quelque chose qui te passionne? Quelque chose de moins mortel que de lancer des haches ou la chasse aux survivants? Peut-être une idée comme ça? Pour faire plus de masques? Attends. Des gants assortis? Non mais la blague est bonne. Je pense à un... Ouais, les accessoires dans des BD. Je pense à un différent type de... Un différent type de fer. Je pense à un différent type de fer. Okay. Faire mourir nos victimes lentement, modérément ou rapidement, suivant notre humeur du moment. C'est une nouvelle manche de fait. Attention à ce que tu souhaites sur le... Wow. La trad. Pour faire quelque chose dans un endroit complètement différent, tu lis mes pensées, on se retrouve là-bas. Je parle de mycologie. On se connaît tout juste. Tu veux explorer mes... Tu sais, les champignons, j'en ai ramassé plein. Je sais très bien lesquels constituent un excellent de base pour une soupe et lesquels te font crever. Pleurotologie. Ah, il pleure pour de vrai, là. Je vais te montrer deux champignons. Tu montres celui que tu crois être comestible. Ça a l'air facile. Bah ça, ça a l'air comestible. Ça, c'est l'immortel. C'est un piège à l'envers. Correct, ça s'appelle une trompette de la mort. Et ta-da-da, c'est délicieux. Ensuite, celui-là est très facile, je suis sûr que tu vas le réussir. Indique celui qui ne causera pas une mort quasi immédiate si tu le manges. Je pense celui-là. Correct, et il s'agit d'une chanterelle. Le nom raffiné et le goût l'est aussi. Toute une certaine personne de ma connaissance, je parie. Miam, miam, miam. Question finale, lequel te fera sauter de joie? Et lequel te fera vomir à mourir? Ah là, ça, je sais pas, ça. Ah, c'est vert qui fait peur à droite. Correct! C'est une ruchule verdoyante. Certes, elle a l'air moisie, mais j'imagine qu'il ne faut pas juger un champignon sur son chapeau vert repoussant. Tout n'est exactement pas ce qui ressemble au premier coup d'œil. C'était marrant, hein? J'aime bien exercer un peu plus que mes biceps pour toi. Très bien, voyons voir. Je tabule tes réponses et un score parfait. Ce savoir sera vraiment utile si nous restons encore longtemps sur cette île. Chasseuse bat des mains comme une gamine. J'apprécie que tu passes du temps avec moi ce soir. Je sais que les autres tueurs sont très attirants, chacun à sa manière. C'est très important pour moi que tu passes du temps avec une forestière lourdaude comme moi. Il m'a infecté. Le forceur. Ce sont des bombes, hein? Tu n'es pas une lourdaude. Tu es une femme forte et indépendante. Ne te rabaisse pas. Chasseuse te saute dessus, le couteau sur... Et donc... Bah, très bien. Peu me chaud. Ok. Je me rabaisserai pas si je me rabaisserai si je veux. Elle est en colère. Mais aussi excitée. C'est chaud. Nous voilà. Tadam. Colette et Dwight rassemblent tout le monde vers la plage, comme d'habitude. Exactement ce que la voix a dit. Je te dis, et je suis honnête là, il n'y a que toi qui puisse m'entendre. Tout le monde se rassemble, à nouveau sur le terrain de volleyball. Il semble qu'hier encore, tu te trouves sur la ligne de touche, regardant tout le monde tuer. C'est parce que c'était le cas ou j'ai l'impression d'être là depuis longtemps? Il est si tard que le soleil commence déjà à se lever. Mieux vaut en finir le plus vite. Pour que... Je veux dire que tu puisses profiter du sommeil réparateur. Je ne recommande pas la damnation. Heureusement que tu as fait un bon usage de ton temps depuis. Tu commences vraiment à bien connaître le groupe. Le cerveau, le mania, le cas désespéré, la fille, la pinterée. Tu sais, les quatre types de personnes. Oh. Enfin bref, tout le monde est rassemblé sur le terrain de volleyball pour un nouveau type de jeu. Décris ton rendez-vous idéal et vois qui Maillard choisit.